pour rejoindre le Cambodge depuis Singapour. On a atterri à la capitale, donc à Phnom Penh. On a pris directement un taxi qu'on avait réservé pour rejoindre la ville de Siem Reap. 5 heures de voiture, c'était long, franchement ça a été long. Alors on va passer 3 jours à Siem Reap pour découvrir la cité d'Angkor, la principale attraction du Cambodge, donc la cité d'Angkor qui attire plus d'un million de personnes chaque année, d'un million de visiteurs chaque année. À l'issue de ces 3 jours à Siem Reap, on va prier la prière de la fête de l'Aïd sur place et ensuite on va reprendre la voiture 5 heures pour nous rendre de nouveau à la capitale. On va passer 3 jours à Phnom Penh pour découvrir les marchés, les temples, mais surtout je pense pour en apprendre un peu plus par rapport à l'histoire du Cambodge. Il ne faut pas oublier que durant les années 70, les Khmer Rouges avaient le pouvoir et qu'ils ont commis des atrocités. Des centaines de millions de Cambodgiens ont trouvé la mort de 75 à 79. Ici, on va découvrir ensemble donc ces deux villes du Cambodge et on se retrouve demain matin, direction la cité d'Angkor. Voilà, on est dans le Tasom Temple. Franchement, il est juste trop beau. Il y a une coexistence entre la nature et les temples. C'est juste magnifique. Donc voilà, écoutez, on est en train de nous diriger vers le fond où il y a un genre de temple enraciné dans des racines. Enraciné dans des racines, voilà. Et on y va. On est au Pre Khan Temple et Harun il est là. Harun, voici l'entrée. Voilà, on a traversé tout le temple. Ahmed, on va devoir tout retraverser parce que le chauffeur il est de l'autre côté. Dernier temple de la journée, Phnom Bakeng Temple. On arrive à la fin de cette longue journée. Donc là, on va grimper pendant 20 minutes une montagne de laquelle on va assister au coucher du soleil. Donc il y a plein de monde, comme vous pouvez le voir, on n'est pas les seuls. Et bah écoutez, on y va, motivé. En fait, on est en train de monter là-bas. Il y a déjà des gens qui sont installés. Coucou! Il est exactement 19h11. Aujourd'hui, on a commencé la visite des temples. Donc, on a fait le grand tour, ce qu'on appelle le grand tour. Donc, verdict, franchement, c'était très bien. Amené ici dans une petite rue avec la communauté musulmane. Donc, la mosquée, elle est juste à côté. Et il y a plein de restaurants musulmans. Donc, du coup, on va manger ici. Alors, j'ai choisi de prendre un plat cambodgien. Étant donné qu'on peut manger, que je peux manger halal. Le restaurant, il s'appelle Muslim Family Kitchen Restaurant. Ça c'est le Deep Climbing Mountain, elle est en train de me le préparer. Donc il y a des légumes, ici il y a du bœuf avec des œufs et alors c'est accompagné de riz. Oh bon. C'est trop trop bon, ça pique par contre mais c'est délicieux. On se retrouve pour le deuxième jour des visites. On est dans le temple Tom quelque chose. Et on va continuer, bah écoutez, la deuxième journée. En gros, on fait le petit circuit. Donc petit circuit avec encore une fois plusieurs temples à voir. Et voilà. Thank you.
Donc là c'est le Takeo, Takeo Temple. Ok, voilà, on est en haut, la vue elle est super belle. Et le problème maintenant c'est pour descendre. C'est assez vertigineux quand on regarde comme ça. Allez, on va y aller tout doucement. Bienvenue au Kravan Temple. Suivez-moi. Ok, voilà, retour à la case départ. Donc, le Angkor Wat est quelque part tout au fond. Bah, vous voyez un peu les toits, tout au fond là-bas. On va se boire un petit truc et ensuite on va attaquer la visite de ce dernier temple. Hello Bunta, donc on va faire la visite avec Monsieur Bunta. Right. 53, so France will give it independent to Cambodia. Okay. And after that, so the king of Cambodia go into building the independent monument was in the city. Okay. Yeah, so from Phnom Penh. Okay. And after that, so France will spending 90 years to repair this. Hello, on est dans le Old Market. Et derrière là-bas, on a le Night Market. Donc d'abord, on va faire le Old Market et ensuite, on se rendra de l'autre côté. Donc vous trouvez plein de souvenirs, des spécialités locales et autres. Les filles, elles sont à la recherche de leurs flûtes. Elles veulent des flûtes. Ici. Donc ça, c'est le tissu traditionnel. C'est du coton, ils s'en servent comme écharpe, ils s'en servent autour de la taille. Du coup, donc voilà, maintenant on se dirige vers Pub Street, qui est juste là-bas. J'essaie de trouver du poivre, du poivre. Allez Mariam, on te suit, c'est par où? On te suit, hein. Mariam va nous montrer, il est où son restaurant? Moi aussi, maman, je veux là. Quand toi aussi, quand tu seras grande, tu vas savoir le faire doucement. Et voilà, la journée se termine. Tuk tuk, on rentre faire un gros dodo. Thank you very much, bye bye. Good night, bye bye. Donc voilà, ça c'est le nom du restaurant, Bombay Kitchen. Et franchement, écoutez, vous voyez, c'est certifié halal. C'est super bon. Donc voilà notre voiture depuis, depuis deux jours. On se déplace uniquement en tuk tuk. Bon, c'est parti. On se retrouve demain. Bye bye, good night. Coucou, donc voilà, on est au Psar. Je sais même pas, c'est un marché. Je vous mettrai le nom quelque part en bas ici. C'est un marché, mais pour le coup, un marché avec des locaux. Donc j'ai demandé à l'hôtel un marché local, local. Puisque vous savez, comme je vous l'ai montré hier, il y a plein de marchés, mais c'est vraiment des marchés de touristes. Dans le sens où il n'y a que des touristes, hein, c'est exprès pour les touristes. Les night markets, alors que là, on est vraiment sur un marché local avec des locaux. Génial aussi, c'est au niveau des odeurs là, vraiment on est imprégné. Tous les sens sont mis en éveil, vraiment. Thank you.
Donc voilà, on est en train de booker les tickets pour repartir à la capitale. Donc on va prendre un minivan, 12$ par personne. À l'arrivée, on a pris le taxi, un taxi privé à 100, donc du coup là, moitié prix. On va faire ça. Donc voilà. Du Cambodge, on vient de prier, direction la capitale. Ok, on est dans le tuk-tuk grab. Everybody's putting something in my head. Everybody. Ok, coucou, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, écoutez, ce matin on a démarré la visite avec le musée national. Après le musée national, on a fait le palais royal. Et donc là on se trouve dans ce qu'on appelle le musée S21. Donc c'est une ancienne école française qui est connue ici dans la capitale tout simplement parce que malheureusement. Donc c'était un centre de torture lorsque les Khmer Rouges avaient le pouvoir donc ici au Cambodge dans les années 1974. Donc c'est une école qui a été qui a été découverte on savait, personne ne savait en fait ce qui se passait ici. Donc des milliers de personnes étaient ramenées ici, étaient torturées et tuées. Donc voilà, écoutez, je vais pas parler trop longtemps parce que franchement la visite elle est quand même très émotive. Même s'il ne reste pas grand chose, on sent quand même que dans cet endroit il s'est passé pas mal de choses. C'est très voilà. Écoutez, je vous laisse avec les images. Donc voilà, ici on est au marché central. Donc dans le marché central vous trouvez vraiment de tout, des produits locaux mais aussi de la contrefaçon et voilà. Ce soir il y a beaucoup plus de vie mais voilà, si jamais vous voulez acheter du poivre ou des foulards cambodgiens ou autres, c'est une adresse incontournable. Ok, on est dans le marché russe. Bonjour Mariam, où est-ce que t'es? On est dans le marché russe. Il y a énormément de choses, beaucoup de choses. D'ailleurs, on se perd. Ahmed, on est passé par là tout à l'heure. On s'y perd. Écoutez, on se balade un peu. Il fait hyper chaud étant donné que c'est un marché couvert. Et on y trouve vraiment de tout. Ok, coucou, donc voilà, on va commencer la visite d'un des Killing Fields du Cambodge. Oh,
Ok, voilà, on a terminé la visite. Ce qui est impressionnant, c'est que on se dit comment dans un lieu aussi beau, aussi calme, en fait, des horreurs se sont passées ici. Dernier stop du Cambodge, nous sommes à la grande mosquée de Phnom Penh. Yeah, c'est parti, Harun, il est en train de dormir.